Bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, j'ai fait une petite vidéo ce week-end parce que je vais pas avoir le temps de faire une vidéo d'analyse. Mais par contre, voilà, comme ça fait quelques semaines quand même que j'avais pas fait de vidéo, j'étais très occupé, soit au niveau privé, soit au niveau à préparer la formation sur Paris. Voilà, donc là, ça c'est fait déjà. Donc maintenant, je vais pouvoir me reconcentrer un petit peu plus sur les vidéos. Voilà, mais là j'ai pas encore le temps, donc ce sera certainement pour la semaine prochaine. Alors, sauf si vraiment j'ai le temps, peut-être pas ce week-end, mais lundi, on verra. Voilà, mais là je voulais faire une petite vidéo, alors pour parler de deux, trois choses. La première, je vais vous parler, ça va concerner ceux qui ont fait la première session de la formation live, et donc bah, évidemment, et ceux qui vont faire la deuxième session, donc le 14 et 15 novembre. Donc ça c'est pour les commentaires. Ensuite j'ai ouvert un livre d'or sur le site aussi, donc pour ceux qui ont fait les formations, et là pas forcément celle sur Paris, même ceux qui ont fait les autres formations, vous pouvez laisser un commentaire. Voilà, je laisserai de toute façon libre les commentaires quoi qu'il arrive, que ce soit positif ou négatif, tant que ça reste respectueux et voilà, que ça engage, enfin qu'on respecte les gens. Voilà, ça c'est une autre chose. Et ensuite, on va parler aussi des flux. Parce que je sais que c'est un petit peu compliqué dans l'esprit de certains, et ce que je peux comprendre. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Là, en l'occurrence, je vais vous donner la solution que moi j'ai adoptée en tout cas, pour pouvoir bah, connecter toutes les plateformes, en essayant de réduire les coûts un maximum. Et puis, comme ça. Au moins, voilà, vous aurez déjà une idée un peu plus précise de ce qu'il vous faut faire ou faudra faire si vous voulez passer sur les futurs. Voilà, je sais qu'en ce moment, je sais qu'il y en a beaucoup, surtout ceux qui ont fait des formations, des choses comme ça, donc voilà, qui s'inquiètent un peu de ça, qui se renseignent un peu de ça, et ce qui est normal. Donc là, voilà, je vais essayer d'éclairer un petit peu votre lanterne autant que je peux. Allez, on va commencer. Alors, pour ceux qui ont fait la formation, donc la première session du mois d'octobre, hein, sur Paris, Jean-Marc vous a déjà envoyé un petit mail à tous là, pour vous demander. Donc, soyez sympa, j'ai ouvert ici une file commentaires sur la formation live sur Paris, ici. Donc, soyez sympa et mettez un petit commentaire, ça va permettre à ce qu'on puisse le faire partager aux autres. Voilà, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, des fois peut-être qu'ils peuvent très bien ne pas oser prendre la formation, parce que c'est quand même 800 euros la formation, donc c'est quand même pas rien, je peux comprendre. Mais au moins le fait d'avoir les commentaires sur ceux qui l'ont fait, bah, ils vont déjà voir que ce soit du concret, que ce soit positif ou négatif. Hein. C'est pas vraiment le problème, il faut dire ce qu'on pense. Mais au moins ils verront que ce n'est pas du tout du fake et que c'est bien concret, réel, et voilà, qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on a eu. Donc sur la période d'octobre, 11 participants, ce serait bien qu'on ait 11 commentaires, ce serait sympa. Pensez à nous les amis, merci. donc, hein, vous rentrez sur la commentaire de la formation live. Vous voyez qu'il y a déjà eu deux commentaires qui ont été faits par Denis et Benjamin. Donc voilà, soyez sympa, continuez-le. Et une fois que vous l'aurez mis, hein, je vais attaquer avec ça. Et ben, ce qui serait cool, c'est que vous alliez. Ici, sur le site, vous entrez sur le site et vous verrez pour ceux qui ont l'habitude d'y aller, dans le menu en haut, il y a le. Ici j'ai changé le. C'est plus nous contacter, mais j'ai rajouté donc livre d'or contact. Et quand vous mettez votre souris dessus sans cliquer, vous avez donc soit l'équipe, soit le livre d'or. Donc vous pouvez aller sur livre d'or ici, là. Ça va vous amener au livre d'or. Donc moi j'ai copié-collé. Les commentaires qui avaient déjà été mis sur le forum pour les mettre dans le livre d'or, mais vous pouvez très bien le faire à ma place et donc vous faites sur un support, sur le forum ou le site, vous mettez votre commentaire et après vous le copiez-collez, vous le mettez dans. Ou alors, si vous devez en choisir qu'un seul, mettez-le dans le livre d'or. Hein, je l'ai créé pour ça hier. Donc voilà, comme ça tout le monde pourra y avoir accès, même ceux qui ne sont pas sur le forum pourront lire vos commentaires dessus. Donc là, je n'ai rien enlevé, j'ai juste repris un copier-coller mot à mot ce qui a été mis. Okay? Donc voilà, soyez sympa, allez dessus, vous faites entrer un nouveau message. Là, vous mettez votre prénom, vous mettez votre adresse mail.
le message est envoyé. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et moi, évidemment, il va arriver en modération. Et voilà, et donc si c'est un message qui respecte les règles, on va dire, il n'y a aucun souci, je ne changerai rien dessus. Voilà, donc ça, c'est fait, c'est dit. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, rien de spécial, c'est vraiment ça, je voulais vraiment au niveau du comment du forum. Ceux qui ne trouvent pas, on sait jamais, si après il y a des messages qui arrivent en premier, celui-là va partir hop, dans les oubliettes. N'oubliez pas, commentaire sur la formation Live Paris, regardez où que vous alliez, même si vous allez, mettons, sur la formation Live Paris ici, vous avez en haut, commentaire sur la formation Live Paris. D'accord? Bon, après, vous avez le PDF vidéo de la formation pour ceux qui l'ont fait. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer vite fait. Comme ça, vous allez voir que c'est pas du fake non plus. Voilà. Donc là, vous avez le contenu avec les vidéos, les PDF. Je vous ai mis un chartbook Sierra ici que vous pouvez télécharger. Aucun souci. D'accord? Là, vous avez le PDF, donc côté sur ma partie à moi. Ensuite, donc, vous avez des vidéos. Ensuite, vous avez la deuxième, ici le PDF de la deuxième journée que vous pouvez télécharger. Et là, vous avez toutes les vidéos. Alors, je vais vous les passer en rapide. Voilà. Ici, ce ne sont que des vidéos basées donc sur les setups et tout ça et tout ce que j'ai remarqué fait au niveau des bookmaps. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a du contenu et ce qu'il faut. En tout cas, c'était surtout pour vous dire que de toute façon, hop. Ou que vous alliez sur le site, sur le forum, pardon, vous allez retrouver commentaires sur la formation Live Paris ici. Et puis, même si vous allez, je sais pas, moi, vous voulez poster là, mettons, je sais pas, moi, sur un commentaire, analyse de la semaine, par exemple, ici en haut, vous aurez toujours dans les annonces commentaires sur la formation Live Paris. Vous les avez sur toutes les sections principales. Ici, que vous ayez, mettons, stratégie trading, vous allez sur Market Profile, là vous aurez pour voilà, commentaire sur la formation live sur Paris. Ok? Donc, comme ça, pas d'excuses, vous pouvez pas la louper. Bon, voilà, ça c'est dit. Allez, maintenant on va parler un peu des flux. Alors, je sais que les flux c'est un peu compliqué, surtout pour ceux qui démarrent sur les futurs. Je reçois pas mal de mails avec des questions sur les brokers, sur les futurs. Donc, moi, je vais vous dire ce que moi je fais actuellement, parce que j'ai changé plusieurs fois. Je m'adapte, hein, moi ça ne me dérange pas du tout de changer de broker, même 2 fois par semaine, c'est juste une perte de temps par moment. Mais si on s'y prend comme il faut, on évite de perdre trop de temps. Mais enfin, moi ça ne me gêne pas du tout. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas changer, qui aiment bien rester sur avoir un broker et ne plus en bouger pour éviter les soucis, les tracas et tout, ce que je peux comprendre complètement. Moi, je m'en fous complètement. Donc moi je peux changer le flux tous les jours, changer le broker tous les jours, honnêtement ça ne pose aucun problème. Voilà, tant que j'ai ce que je veux à l'arrivée, c'est tout ce que tout ce qui compte. Mais c'est vrai que ça peut être chiant. Les transferts d'argent, ceci, cela, c'est un peu rébarbatif, on va dire, parce qu'à chaque fois il faut faire ci, il faut faire ça, il faut annuler, il faut renvoyer. Voilà, ça fait voilà, une perte de temps surtout. Alors. La solution, enfin les solutions, il y en a plusieurs. Sachez que quand vous prenez un compte futur, déjà à la base, votre broker, quel qu'il soit, vous donnera accès aux flux. Vous aurez les flux, au moins, pour tout ce qui est les actifs principaux, on va dire américains, crude, gold, donc hein, le pétrole, le gold, tout ça, tout ce qui est mini S&P, mini Dow, Nasdaq, euro, enfin euro-dollar. Les devises en futur. Hein. Vous aurez accès à tout ça sans aucun souci. Et ça, c'est ce qu'on appelle vous paierez, enfin vous paierez, oui, vous paierez, quel que soit le broker maintenant, parce qu'avant c'était gratuit, alors à moins qu'il y en ait encore qui fassent ça gratuit, mais je ne pense pas. Et vous aurez à payer ce qu'on appelle le bundle, donc alors suivant les brokers, entre 15 $ et 21 $ par mois pour avoir accès à ces flux. Okay, le bundle regroupe CME, COMEX, NYMEX, ainsi de suite. Voilà. Donc, et vous aurez accès à ça. Si vous souhaitez avoir l'Eurex en plus, donc pour trader le DAX, le Bund, le Stoxx, etc., il va vous falloir rajouter, suivant les brokers,
entre 15 dollars et 23 dollars en plus pour avoir le reste. Donc vous savez que vous avez au maximum, suivant les brokers, 44 dollars à payer, ou 30 dollars suivant les brokers. Vous aurez donc au maximum 44 dollars à payer pour avoir vos flux si vous souhaitez avoir le REX avec. Si vous souhaitez le Russell par exemple, le mini Russell, ça vous coûtera une centaine de dollars en plus par an. Voilà, mais ça c'est autre chose, c'est une autre place d'échange maintenant qui fait payer individuellement son flux. Voilà, ça c'est une chose. Mais hormis ça, c'est tout ce que vous avez à payer, et ça, ce sera quel que soit le broker, on va dire dans la majorité des cas. Ensuite, c'est vrai que nous, ce qu'on fait, on utilise plusieurs plateformes. Alors, quand vous avez qu'une plateforme, c'est pas vraiment gênant. Vous n'avez aucun souci que vous alliez chez Infinity, et bien vous aurez le flux transact avec Sierra, et ça ne vous posera aucun problème. Où ça va commencer à poser des problèmes, c'est si par exemple vous utilisez Ninja, quelle que soit la raison, hein, que vous utilisez la plateforme NinjaTrader, que ce soit pour mettre d'autres indicateurs, que ce soit pour loader bookmap, que ce soit pour Atlas, pour faire une connexion Atlas aussi. Voilà, c'est peu importe la raison, si vous voulez utiliser une autre plateforme, eh ben, ça va poser problème de la loader avec le même flux. Sauf si vous prenez un flux payant extérieur, ou que vous ayez un flux qui vous permette de connecter plusieurs plateformes. Et je sais que c'est là où la mécompréhension se fait, la plupart du temps, ce qui est normal. Si on prend un flux payant extérieur du style IQFeed, qui est pour moi en tout cas le top en matière de data, hein, voilà, ça va vous coûter un bras déjà, éventuellement. Vous pouvez rajouter l'épaule, voilà, suivant ce que vous prenez. Mais par contre, vous n'aurez pas de problème, vous pourrez connecter à QFIT sur pratiquement, en tout cas à ma connaissance, toutes les plateformes qui existent. À ma connaissance, hein. Il y en a certainement qui ne prennent pas à QFIT, c'est si des plateformes propriétaires par exemple. Mais on va dire que sinon, la plupart du temps, vous pourrez connecter à QFIT sur la plupart des plateformes. Et autant de plateformes que vous souhaitez sur le même ordinateur. Là, aucun souci, moi j'ai connecté jusqu'à 4 ou 5 plateformes, je crois, à la fois, quand j'avais testé au début. Donc ça ne pose aucun problème avec AQFIN. Par contre, ce n'est pas un broker, donc vous ne pouvez pas trader avec AQFIN, vous ne pourrez que analyser. D'accord? Ça, c'est la version, on va dire, la plus simple, la solution plutôt la plus simple pour avoir ces flux, mais ça vous coûte un bras. Okay? Faut savoir que si vous voulez à peu près tout ce qu'on a besoin en règle générale, sauf si vous ne tradez qu'un seul actif, hein, évidemment. Hein. Mais bon, sinon, il faut savoir que ça va vous coûter. Si vous utilisez un broker comme Infinity qui va vous payer, qui va prendre en charge plutôt l'exchange fee sur les contrats que vous avez, où ça va donc vous limiter un peu les frais, il faut compter quand même. Moi, c'est ce que j'avais dernièrement pour avoir tout ce qui est donc Emil S&P, YM, donc Miniso, pardon. Nasdaq, tout le forex sur futur, tout ce qui est gold, crude, l'Eurex, donc DAX, Bund, Stoxx, ainsi de suite, pour avoir voilà, tous ces actifs-là, à peu près, tout ce qu'on retrouve à peu près partout, il faut compter, enfin moi en tout cas, ce que je payais, c'est 180 dollars ou euros, je ne me rappelle plus, par mois. Voilà, en gros, c'est ce qu'il faut compter, à peu de choses près. Et si vous n'avez pas de broker qui vous prenne en charge l'exchange fee, dans ces cas-là, ça vous coûtera un peu plus cher. Voilà, peut-être dans les 200, 220 dollars, je sais plus, voire plus, je sais plus, ça dépend ce que vous prenez. Mais en gros, ça va être ça. Donc ça coûte un bras, surtout parce qu'il y en a beaucoup quand même qui sont encore en simulation et pas forcément réel. Donc ils n'ont pas encore forcément les moyens de se rembourser avec le trading. Donc je peux comprendre que ça soit embêtant. Donc il y a d'autres solutions, il faut prendre des flux. Alors il y a un flux à ma connaissance, hein, il y en a peut-être d'autres, mais il n'y en a pas non plus 50 000 des flux. Hein. On va dire les plus connus sont les flux avec broker, sont donc Transact si vous passez par Infinity, mais là ça reste le flux de ce broker. Vous avez Rythmic et vous avez CQG.
CQG pour moi est un des flux très fiables aussi après AccuFit. Rythmique, j'ai pas eu temps de trop tester, mais a priori, il n'est pas mauvais non plus. On a fait quelques comparaisons sur du court terme ou du mensuel. Voilà, on avait à peu près les mêmes choses. Donc voilà, rien de trop à dire non plus. Je sais que la plupart des data providers, hein, donc des fournisseurs de flux, qu'ils soient par les brokers ou pas, travaillent beaucoup sur les flux pour essayer d'améliorer ça au quotidien. Donc voilà. Alors, dans ces deux flux principaux, on va dire entre Rythmic et CQG, le problème de CQG, c'est que vous ne pouvez pas connecter ce flux à plus d'une seule plateforme. À la base. Ensuite, vous avez Rythmic. Rythmic, quand vous avez ce flux, vous pouvez connecter en prenant, moyennant donc un supplément mensuel, un API qui va vous permettre de vous connecter jusqu'à deux plateformes. Ce que j'avais fait il y a très récemment, jusqu'à la semaine dernière. Seulement, vous n'avez avec Rythmic pas d'analyse pré-market. C'est-à-dire qu'avec Rythmic, vous ne pouvez pas voir l'activité pré-market, en tout cas ni dans Sierra ni dans Ninja. Peut-être que sur d'autres plateformes ça fonctionne, mais pour moi, a priori, c'est quand même dû au flux, donc il n'y a pas de raison. Vous ne pouvez pas voir l'activité pré-market sur le REX avant 8 heures. Donc si vous voulez, admettons, trader le gap comme j'avais l'habitude de le faire. Et c'est vrai que moi, ça, le fait d'avoir fait la formation à Paris, là, bah, de reparler du gap, de montrer une petite vidéo du gap avant que j'avais fait, et bah, ça m'a donné envie de le refaire. Et donc je vais refaire le gap. Donc pour ça, j'ai besoin des flux pré-market. C'est pour ça que j'ai encore rechangé cette semaine moi, de flux. Et que je suis revenu sur ce QG pour pouvoir bah, avoir cette activité pré-market. Et donc j'ai arrêté avec UFID, évidemment, puisque ça me faisait quand même gagner pas mal d'argent. Alors, CQG, si vous avez, soit vous avez deux comptes de trading, et auquel cas, eh ben, pas de souci, vous avez un compte avec un tel et un compte avec un autre sub, peu importe, ou le même, on s'en fout, c'est pas gênant, là vous n'avez pas de problème. Mais si vous voulez avoir qu'un seul broker et connecter au moins donc deux plateformes, c'est-à-dire Sierra et NinjaTrader, et pourquoi NinjaTrader? Parce que grâce à NinjaTrader, vous allez pouvoir loader et Bookmap et Jigsaw si vous l'utilisez et Atas si vous l'utilisez. Et tout ça par NinjaTrader. Et ça fait quand même un gros plus pour moi pour utiliser des plateformes qu'on ne pourrait pas sinon, hormis avoir AccuFeed ou 4 ou 5 comptes différents. Donc ça, c'est et en n'ayant qu'un seul broker, je parle. Donc moi, c'est pour ça que je suis en gros, c'est pour ça, sans compter les commissions, c'est pour ça aussi que je suis parti chez NinjaTrader au niveau du broker, hein, bah pour pouvoir avoir pour pouvoir avoir ça. Et les commissions, c'est quand même, je vous laisserai regarder par vous-même, hein, je suis pas là pour parler des commissions, hein, voilà, sont quand même attractives et suivant si vous avez la plateforme ou pas, achetez la plateforme. Donc ça c'est une chose. Mais grâce à ça, et donc du coup j'ai pu, cette semaine j'ai rechangé mes flux pour CQG et j'ai pris donc deux sets de crédentials pour CQG. Pas le choix, puisque CQG vous ne pouvez connecter qu'une seule plateforme. Donc c'est soit j'ouvre un autre compte, autre part, ou chez Ninja ou AMP ou autre part, on s'en fout, mettre de l'argent juste pour avoir des flux. Et eh bien, j'avais pas envie de m'emmerder, par contre, même si j'ai des comptes d'autres comptes ouverts, je n'avais pas envie de m'embêter à remettre de l'argent dessus, ceci, cela. Donc, j'ai préféré bah, prendre un deuxième set de crédentiels. Donc, qu'est-ce que ça va vous coûter? En fait, parce que c'est ça quand même l'intérêt. Ça va vous coûter, donc, la première phase, hein, c'était les 44 $ au maximum. En l'occurrence, chez Ninja, c'est ce prix-là. 44 $ par mois pour avoir les flux. Si vous voulez un autre set de crédentiels, de CQG, il vous faut payer 10 $ déjà pour l'avoir et ensuite payer 20 $ par mois donc pour avoir cette connexion, avoir un deuxième compte, quoi. C'est voilà, c'est pour utiliser ça vous coûte 20 $ par mois, mais si vous prenez ça avec Rythmic, ça vous coûte aussi 20 $ par mois pour l'API. Donc jusqu'à là, pas de souci, il n'y a pas de problème.
Mais par contre, il va vous falloir aussi repayer le flux une deuxième fois, donc une autre fois 44 $. Voilà. Qu'avec Rythmic, par contre, vous n'avez pas ces 44 $-là sont économisés puisque c'est le même compte, c'est le même set de crédentials, c'est juste un API en plus qu'on paye 20 $, mais ça évite par contre de repayer les deuxièmes flux. Mais vous n'avez pas l'activité pré-market. Donc moi, en fin de compte, voilà, je paye plus pour avoir cette activité pré-market sur le REX. Et puis voilà, donc voilà, le total, donc c'est 2 fois 44 $ plus 60 $. Ce qui revient à peu près à une centaine de dollars par mois, mais ce qui économise quand même 80 $ par rapport à. Enfin, beaucoup plus que ça. Parce que à QFIT, je payais 180 $, mais il y avait toujours quand même les 44 $ à côté du broker. Donc, faut pas oublier ça. Donc voilà, ça faisait 220 $ à peu près par mois mensuel que je payais en flux. Maintenant, du coup, avec ces manipulations-là, j'arrive à payer le tout pour une centaine de dollars par mois. Voilà, ce qui est tout à fait raisonnable, hein, puisque théoriquement, voilà, ça devrait faire une journée de trading, ou une demi-journée de trading, ou une journée de trading, pour pouvoir payer tout ça, et être tranquille. Donc, voilà pour moi la solution actuellement que j'ai choisie pour pouvoir connecter donc Essira et NinjaTrader. Et par NinjaTrader, ben, l'avantage c'est que vous pouvez utiliser Bookmap, mais il ne sera pas en indépendant, mais il passera par Ninja, il faudra que vous ayez NinjaTrader, mais vous pouvez le mettre. Et donc vous pouvez sortir et Bookmap, et Jigsaw, et Atas. Voilà, que vous pouvez utiliser donc la connexion de Ninja pour vous servir d'Atas. Donc, et comme ça, toutes les plateformes que moi actuellement ou que la plupart des gens qui sont autour de moi donc, se servent, et ben, vont être loadés avec ça. Donc voilà la solution que je voulais et vous expliquer un petit peu comment ça se passe, le fonctionnement. Donc j'espère que c'est plus clair. Si ce n'est pas très clair, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans les commentaires sous la vidéo, soit vous m'envoyez un petit mail. Hein, vous allez sur le site, vous utilisez le formulaire de contact. Si vous ne connaissez pas mon mail, et encore que je crois que si vous êtes sur le site, normalement, et je pense que si on rentre dessus, qu'on descend un petit peu en bas, voilà, sur la formation live pareil ici, avant je ne sais pas trop, tac tac tac, voilà, vous avez mon mail ici. Hein, donc voilà, vous pouvez soit m'envoyer un mail, soit me faire un petit message par le formulaire de contact. Vous allez ici sur contact. Voilà, et vous allez arriver directement dans contacter. Et là, vous pouvez rentrer votre nom et m'envoyer un petit mail. OK? Voilà les amis, bah, écoutez, c'est tout ce que je voulais faire pour ce matin. J'espère que ces explications ont été claires pour vous. Si ça ne l'est pas, je vous dis, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et puis, bah, je vais arrêter la vidéo pour ce matin. Et en plus, je suis en train de tester la nouvelle version de Camtasia. Donc, j'espère que je ne vais pas l'avoir fait pour rien. Et que je vais arriver à la mettre en forme. Et arriver à l'encoder correctement. Là, je pédale un petit peu avec cette version-là. Mais bon, je teste. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis, pardon, je vais y arriver. Je vous souhaite plutôt voilà, un bon week-end. Et puis je vous dis, pour ceux qui sont avec moi, à mardi matin sur le TS. En tout cas, c'était super sympa. Il y a un peu plus d'activité sur le TS en ce moment. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, continuez comme ça. N'hésitez pas. Venez pour ceux qui font partie du forum, bien évidemment. Et puis, et voilà. Allez, à mardi matin. Ciao, ciao.